Qui est le meilleur entre Marcelo et Jordi Alba? Pour commencer, qui a gagné le plus de Ligue des Champions? Marcelo a remporté 5 Ligues des Champions dans toute sa carrière. Jordi Alba a remporté 1 Ligue des Champions dans toute sa carrière. 1-0 pour le Brésilien. Qui a marqué le plus de buts? Marcelo a marqué 55 buts. Jordi Alba a marqué 53 buts. 2-0 pour Marcelo. Qui est le plus rapide et qui dribble le mieux? Bon là c'est totalement logique. Pour la vitesse c'est Jordi Alba et pour les dribbles c'est Marcelo. 1 point chacun, 3-1. Qui a remporté le plus de Liga? Marcelo a remporté 6 Ligas. Jordi Alba a également remporté 6 Ligas. Encore un point chacun, 4-2. Qui a réalisé le plus de passes décisives? Marcelo a fait 115 passes décisives dans toute sa carrière. Jordi Alba a fait 124 passes décisives dans toute sa carrière. Alba réduit le score, ça fait 4-3. Qui a un meilleur palmarès international? Marcelo n'a rien remporté avec le Brésil alors que Jordi Alba a remporté l'Euro avec l'Espagne. Jordi Alba égalise, ça fait 4-4. Pour finir, qui défend le mieux et qui est le meilleur physiquement? Bon là, je pense qu'on est tous d'accord. Pour le physique, c'est Marcelo et pour la défense, c'est Jordi Alba, même si c'est difficile de se décider. Un point chacun, score final 5-5. C'est donc un match nul. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon, qui est le meilleur selon vous? Est-ce que c'est le Brésilien Marcelo ou est-ce que c'est l'Espagnol Jordi Alba? Dites-le moi dans les commentaires.